possible pour la fille, puisqu'elle peut tourner à gauche, eh bien ici c'est tout simple, tout bête. Vous allez me dire, il suffisait d'y penser. Eh bien le zéro doublé, c'est au lieu de tourner chacun autour de l'autre une fois, on va tourner deux fois. On pourrait même le faire trois fois. Cela va donner, pas de base, 1, 2, 3 et 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, j'enclenche mon 0. 1, 2, 3, 5, 6, 7, ici. Au lieu de reprendre ma cavalière, comme d'habitude, pour la fin du 0, bien je décide de ne pas la reprendre. Donc, elle est obligée de continuer à danser, de faire son pas de base, en tout cas de tourner autour du cavalier, pour faire 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et là, je la reprends. Vous pourriez même pousser le vis jusqu'à la faire tourner trois fois. Je remonte, eh bien avec la variation de trois fois, sur une musique plus rapide, ça passe évidemment plus facilement. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est 1, 2, 3 et 5, 6, 7. C'est 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Et pour la fille, évidemment, elle peut faire des variations en disant, bah, moi je ne tourne pas, moi je tourne une fois, moi je tourne deux fois. Trois fois, il vaut mieux pas essayer parce que là, ça risque de faire beaucoup. Déjà deux fois, ça demande d'être sur le timing. Mais ça permet donc de faire ce petit enchaînement très facilement lors de soirée.